exercice, je vais vous proposer un travail de bascule du bassin qui va favoriser un alignement de votre dos au sol. Cet exercice va être valable lorsque vous vous couchez dans votre lit, lorsque vous faites un exercice à plat dos. Le fait d'être enceinte provoque un développement du ventre vers l'avant. Et si vous vous laissez aller, vous avez un creux qui s'installe au niveau de votre dos. Donc pour essayer d'allonger le dos au maximum et de permettre à votre ventre de s'étaler plutôt que de remonter et comprimer vos poumons, on va simplement prendre appui sur ses pieds, décoller les fesses, mettre les mains en dessous du bassin avec le pouce au-dessus et on va ramener le bassin vers soi. On va faire ce qu'on appelle une bascule ou une rétroversion du bassin. Une fois que votre bassin est basculé, avant de poser les fesses au sol, on va étirer la colonne vertébrale, étirer le dos. Et pour ça, nous allons simplement pousser les fesses vers les pieds et poser tranquillement le dos au sol. Alors déjà, vous sentez un grand bonheur au niveau du bas de votre dos. Le pubis est bien dirigé vers le plafond. Il n'y a plus le creux qu'on a au niveau des jambes. Et si on veut s'installer confortablement, par exemple dans un lit, on peut accessoiriser la position en mettant un coussin sous les pieds, avec les pieds au-dessus du bassin, ce qui va permettre de drainer la circulation. Voilà. Et là, vous êtes dans une position optimale pour vous détendre, pour dormir, pour travailler sur le dos.